Il a été choisi ce terrain, ça aurait pu en être un autre, comme on a pu voir sur les propositions différentes. Il a été choisi celui-là. Maintenant, vous voyez que il est légèrement en pente, il est très accroché au village, il est déjà desservi par cette rue-là et celle-là. Il s'articule bien, il communique bien avec le village. Il est bien exposé par sa topographie et en descendant, donc nous avons l'étang avec la Pinède et un peu plus loin, la Répisylve et le ruisseau. Donc la question, ça va être de comment construire, comment bâtir sur ce terrain tout en dialoguant avec les éléments de nature et de paysage. Avec le village derrière aussi. Et en dialoguant avec le village, bien sûr, parce qu'il ne faut pas en faire un petit îlot isolé, il faut bien sûr qu'il communique. Mais ici, on est vraiment tout près à pied du cœur de village. Voilà. Il y a quelques maisons derrière et on a trouvé que la pente plein sud était idéale. Et Madame le maire, peut-être vous pouvez nous dire pourquoi, alors, pourquoi ça a été classé en zone A, parce que c'était déjà A à l'origine. C'était une terre agricole. Donc on était limité déjà en taille d'ouverture. Et ensuite, il y a la cave qui va d'ailleurs, qui est restée en A, qui n'a pas été mise en U comme vous avez vu. Tout simplement parce que nous on a d'autres éléments. Hein. On connaît le propriétaire, si on le met laissé en U, on le passait en U. C'était un immeuble en face. Donc, Alors disons que là on a planté la première fois, on s'en branche. Disons qu'on l'a mis en zone au niveau de la première. Parce que c'est le gros problème quand on peut partir. Disons qu'on le voyait du paysage, ce qu'on voyait c'était ça. Donc c'est vraiment un marqueur. Alors le château d'eau, que ce soit un marqueur, j'ai envie de dire, c'est à peu près correct. Mais là, Le problème, c'est de savoir qu'à faire. Quand on sait que les cuves à l'intérieur, je peux les démolir, ça coûte plus cher. Oui, C'est Vous